tous, on est lundi soir, c'est le moment du repas. Voilà, c'est une soirée très très fraîche, ça a été une journée glaciale. Pour ce soir, le repas, eh bien, Martin, mange des raviolis. Est-ce que là, c'est la deuxième fois que je... Oui, tu t'es déjà resservi le temps que tout le monde s'achauffe. Papa, il termine, il a pris de la choucroute. Lisette aussi, choucroute, mais knack pour Lisette, palette pour papa. Maman, elle a pris des patates avec du fromage à raclette. Il faut quand même tous les restes. C'est très bien. Et, ouais, c'est très bien. Puis en même temps, c'est des plats qui tiennent chaud. Hein. Mais il faut que je me dépêche parce que ça va refroidir. Oh, il y a écrit un D sur le poêle. Ah ouais, ça fait des lettres. Ah ouais. Bon, allez, à table. Il est 8h10. Bonjour à tous. On est mardi matin. Mon tintin est tout beau. Et il porte ses chaussures que j'avais achetées chez Lidl à 1€ cet été. Johan s'était bien moqué. Et en fait, il est super content. Il a les pieds au chaud et c'est la bonne taille. Trop cool. On va encore fermer l'anorak avant de sortir. Toi, tu as encore celle, tu as les violettes encore. C'est pour ça que je ne t'avais pas acheté. Tu as encore. Ok. Ok. Lisette, elle reste à la maison avec moi parce qu'elle tousse encore pas mal, la schtroumpfette. Voilà, donc elle reste au chaud, mais je l'emmène. Je ne souhaite pas la laisser toute seule, comme j'ai des petites choses à faire si longtemps à la maison. Donc, hop. D'habitude, elle me soutient, mais c'est que pour une minute. Ouais, je te laisse quand je fais l'aller-retour et que ça prend pas longtemps, mais là... Mais là du coup... Pas. Non, c'est... Elle va aux courses et ça prend toujours du temps. Ben, j'ai des choses à faire, je dois retirer des sous, je dois passer à la pharmacie, donc voilà. Bon, il est 1h moins le quart, je vous reprends que maintenant. J'ai fait une petite vidéo sur mon retour de course. Je ne suis pas seule. Coucou. Et là, j'ai fait des... Oui. Ouais, ça. Des rosaces. À 1 centime. À 1 centime. Et j'attends que maman paye. Parce qu'elle a dit qu'elle va en acheter. Je vais lui en acheter une. Ou deux ou trois, tout dépend ce que j'ai comme monnaie. Je n'ai jamais de monnaie, mais je dois avoir quelques centimes, quoi. Oh, tu vas aller loin avec ça, ma chérie, hein? Au moins pour aller m'acheter une sucette. Ouf, dis donc, il va falloir nous raqueter plus fort. Bon, alors sinon, du coup, dans ma cagette à 1€, j'ai eu des brocolis que j'ai fait cuire. Et en fait, je fais tout en même temps, à savoir le feu... j'ai plié le linge, j'ai remis la lessive et puis j'ai la chérie, quoi. Donc il faut aussi s'occuper. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Le brocoli, enfin, je l'avais mis à cuire à la vapeur, il n'y avait plus d'eau. Donc en fait, toute la casserole a cramé. Bon, ça n'a pas pris le goût. Il va juste falloir que je mette de l'huile de coude pour récupérer ma marmite, quoi, parce que je l'aime beaucoup et que moi, je ne saurais m'en passer. Oui. Voilà, on se fait livrer du bois tout à l'heure. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, je ne vais en rester que pour 2 ou 3 soirs. Ça fait... Donc, super timing. Merci Alex et merci Stéphane qui fait le coupeur et le livreur. Donc encore bien chargé. On a été à la pharmacie ce matin acheter de la crème pour papa qui se moque de moi parce que je fais du lancer de bûche dans le poêle. Et en fait, ce matin, il a remis du bois avant de partir et il s'est brûlé. Voilà, et je n'avais plus de biafine. Et parce qu'en fait, en déménageant, j'avais tout trié, elle était méga périmée, donc on a un nouveau tube, le pauvre, voilà. Donc il y a un nouveau tube maintenant. J'ai repris un petit peu de Doliprane pour les enfants, parce que et bien maintenant, quand ils sont malades, le tube, il passe super vite, vu leur gros poids quoi, avec la pipette. Quoi, donc, comme... Moi, j'ai encore la bronchite. Oui, t'as encore la bronchite, c'est pour ça que tu me tiens compagnie. Oui. Ouais. T'as fait les patates. Oui, et ce matin, j'étais dans mon lit, maman m'a appelé, elle disait « Lisette, debout !» Et moi, je voulais pas me lever, du coup, j'ai fait exprès de faire semblant de dormir. En fait, ils savaient pas, mais j'étais encore en train de dormir. Ah ouais? Bravo. Quand tu parlais, le bébé était sous la couche. Ah, tu m'avais bien entendu la première fois que je t'ai appelée? Tout. Tout? Oui. Oh la vache. Je voulais pas descendre. Archi montée, allez, ma Lisette, gna gna gna. Alors qu'en fait, elle avait tout entendu, la petite peste. C'est
c'est rigolo. Ah oui, c'est rigolo. Et je voulais pas descendre. Bon, là, on a nos bâtonnets de poisson Findus à l'air fryer. On a fait les patates à l'air fryer. Et puis, on a trié les fruits. Oui, c'est... Quelle catastrophe. Bon, je vous montre tout ça. Oups, alors, il y avait tellement de brocolis que tout ne rentrait pas dans la marmite. Donc, du coup, je mets la suite à l'eau puisque le truc à vapeur est cramé. Ça, ce sera pour mon repas de jeudi au travail avec des pâtes. Moi, j'aime bien ça, les pâtes au brocoli avec de l'huile d'olive. Voilà, tout simple. Il reste encore de la tarte aux pommes. Voilà, les patates première fournée qu'on a faites à l'air fryer. Donc là, les poissons panés. Là, la super marmite toute cramée, ça vaut le coup. Hein. Et là, ouais. Là moi. Oui, là, bah, les brocolis. Pas trop parfumé, donc ça va quoi, avec un petit peu de crème fraîche, ça se passera nickel. Là, il reste du manala. En fait, en tout gros, comme ça se conserve bien, puis bien filmé. On en a mangé pas mal ce matin au petit déjeuner. Là, évidemment, il y a Lisette en train de s'occuper, quoi, dessiner tout ça. Sinon, elle a passé le reste du temps à jouer au Playmobil. Et quand il est pas à l'école, du coup, je me fais une école toute seule avec des dictées. Ouais, parce que c'est plus sympa de jouer à l'école que d'être à l'école, hein. Ah oui, ah, ouais. Et je vais faire un exercice en grammaire. Ah d'accord. Et puis là, donc il y a le linge qu'on a mis à sécher. Bon, on est plutôt pas mal. Hein. Il faut... Voilà, que je n'oublie rien. Si je dois appeler EDF. Ma mission encore aujourd'hui, c'est d'appeler EDF parce que mon papa me l'avait dit. Oh là là, c'est vachement moins cher que chez Engie, là où nous sommes. Oh bon, j'ai pas vérifié, on est content d'Engie, voilà. Et puis mon frère hein, qui était chez Engie aussi, il m'a dit, oula, deux fois et demi moins, il a vérifié. Et je me suis dit, ouais, ben deux fois et demi moins, comment vous dire. Voilà, donc je vais passer aussi mon coup de fil pour aller chez EDF. Voilà, deux fois et demi, c'est pas quelques centimes, donc il n'y a plus le choix. Quoi. Jusqu'à l'année dernière, c'était quelques centimes, mais c'était un petit peu plus cher. Après, il y a le prix de l'abonnement que je n'ai pas vérifié. Et puis, on aimait bien, on est parti chez EDF parce qu'on était fâchés avec eux. Voilà. Mais bon, il n'y a pas le choix, on y retourne. Voilà. Et je dois encore appeler aussi, mais ça, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps, que j'appelle SFR pour nos forfaits de téléphone. Parce que Lisette, elle a un forfait pour appeler sa mamou, mais elle n'en a pas besoin, elle ne quitte jamais la maison. Donc en fait, le Wi-Fi va suffire, donc on va gagner son abonnement. Et le mien, visiblement, il y a des rajouts de rajouts que je n'ai jamais rajoutés. Donc il y a dû y avoir des trucs qu'on vous offre pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis après, ça se prolonge automatiquement. Et donc là, du coup, quand j'ai vu la facture passer, je me suis dit, ouais, ça doit inclure le prix de la box. Et en fait, non, pas du tout. Donc voilà, il faut que je gère ça tout de suite pour pas que ça continue. Faut couper, faut arrêter l'hémorragie. Et puis voilà, donc on attend vraiment la fibre avec impatience. Foufou, que de progrès quoi dans nos champs. Bon, on va pas tarder à manger. Donc hein, vous avez compris. Brocoli, patates et poisson pané. Et la même chose ce soir, à moins que ce soit des œufs, voilà, parce que j'avais pas prévu d'avoir ma chérie à la maison, et puis c'est pas si grave. C'est ce qui me restait à vous montrer. Vous êtes quelques-unes à m'avoir dit, ouais, de la cagette, c'est vachement bien pour allumer le feu. Et donc voilà, demain on peignait 1 euro, là, enfin du coup ma cagette à 1 euro, oh, ben, on l'a gardée, et puis Johan en fera des petits bouts, et puis... Hop, voilà, ce sera après. Oui, on mettra dans le feu. Je lui ai dit tout à l'heure au téléphone et bah, il était content. Et on a aussi de la paille de feu. Oui, ça, on avait déjà montré la paille de bois. Ma grande fille qui prépare les assiettes. Ah, bah oui. C'est rigolo. T'es une grande nénette maintenant. Ah oui, mais bah, t'as donné ta fourchette parce que j'ai préparé celle de maman. Oui, t'as préparé la mienne. Et puis... Il y a la sauce, j'ai sorti qu'Élise et moi on aime bien, on préfère ça au ketchup. Et puis il y a les litchis pour le dessert. Pour toutes les deux, tu manges à côté de moi, tu manges pas en face de moi. Ah, à côté de toi. Ah, ok. Ta-da ! Voilà, j'ai récupéré ma marmite. J'ai toujours ma louloute glue dans mes pattes.
qui fait des rosaces. Voilà. Parce que maman veut juste de m'apprendre. Bon, moi, j'ai des enfants, en fait. Mais ils sont jamais très loin. Hein. Ça changera avec l'adolescence. Je serai toujours trop près. Mais alors là, c'est des petites glues. Oui. Oui, des petites glues. Bon, sinon, tout est rangé. Je vais juste encore passer l'aspirateur. Et on puis... Le... Non, il faut que j'appelle EDF et puis on va chercher Martin. C'est quoi EDF? C'est pour l'électricité. Et on n'a pas besoin? Ben, c'est pour payer moins cher. Alors, pour ce mardi soir, papa fait le service. On termine les restes. Enfin, les restes, en même temps, c'est fait cuit. C'était cuit à midi. Donc, les brocolis, le reste de patates, toujours des poissons panés. Lisette aussi, il lui manque que son brocoli. Et Tintin, bah, il termine les raviolis d'hier soir avec sa bâche. Ça fera de la place dans le frigo. Puis, ça évite de jeter. Puis, en même temps, il est plus content. Même si il a réclamé des brocolis, donc il aura des brocolis. Non, les après. On aime bien après. Mettre de l'huile et du sel dessus parce que c'est meilleur. Donc on a mis des herbes de Provence. Et puis t'as mis ça au petit four. Et là-bas? Oui, mais oui, t'as fait ça, c'est toi qui as fait. Hein? T'as lavé, t'as coupé, t'as assaisonné. Enfin, t'as tout fait. Ouais, t'es bientôt bonne à marier. Quoi? T'es bientôt bonne à marier. La tête du père! C'est excellent. Il a levé la tête. Ah, je pense qu'il va acheter un fusil. Et ma tablette, elle n'a pas de batterie. Ah bah oui, 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 c'est la fin du monde. Allez, bon appétit à nous tous. Je vous prends tout à l'heure pour clôturer la vidéo. Mercredi matin, ma grande fille m'a fait mon petit déjeuner. Alors, c'est pas petit déjoli, mais c'est petit déj canapé. Je suis en train de traîner un peu. Et elle est trop gentille. Je suis très gâtée. Oui. Merci ma chérie. De rien, mais maintenant j'allais me préparer et je viens avec toi, je vais mettre mes lunettes et on regarde un petit film. Est-ce qu'on ferait pas des petits gâteaux de Noël? Si, vous allez voir, vous leur rajoutez des... Attends, un petit peu comme celui-ci. Ça c'est ambitieux. Oui, mais l'année dernière on en a fait des comme ça. Mais sauf qu'ils ressemblent un petit peu à des anges. D'accord, ouais, plutôt. Bon, je vous reprends là pour clôturer cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une journée petite forme, sans dynamisme aucun. Mais ça tombe bien, c'est mercredi, on traîne, et puis ça fait du bien aussi. Et voilà, plus que deux jours avant les vacances, on attend ça avec impatience tous. On vous fait de gros bisous, et puis je vous dirai dans la journée ce qu'on aura réussi à faire aujourd'hui de productif. Salut !